C'est bon, l'air est respirable. On peut y aller. C'est magnifique. Vous vous rendez compte? On vient de découvrir une parcelle intacte de la Grèce antique. Nous allons entrer dans l'histoire de l'archéologie. Regardez, il y a quelque chose d'écrit là. Tu peux nous le traduire? Ici, dorment les dieux. C'est un drôle d'endroit pour dormir, non? Regardez, il y en a partout de ces inscriptions. Il va nous falloir des siècles pour traduire tout ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Was grace that sought my heart to fear, and grace my fears relieved. Oh, precious deeds that grace appear, when we've been here 10,000 years, bright shining as the sun, we have no less days to sing God's praise than when we in first began. Souvenez-vous de ce que nous avons dit. C'est donc durant l'Antiquité que s'est développée en Grèce une religion polythéiste que l'on appelle aujourd'hui la mythologie grecque. Elle consistait à attribuer à chaque dieu ou déesse une manifestation de la vie quotidienne ou de la nature. C'est ainsi que Zeus, le dieu sacré, avait comme emblème la foudre, mais c'était aussi un séducteur invétéré. Et Athéna, déesse à qui l'on attribuait la sagesse. Claudia, vous ne me semblez pas très attentive. Pouvez-vous me citer d'autres noms de dieux grecs? Oui, bien sûr. Il y a Apollon, dieu des arts, Aphrodite, déesse de l'amour, Hadès, dieu des enfers, sans oublier Grévia, déesse des profs. Décidément, je vois que les heures de colle ne vous font pas beaucoup d'effet. J'avais pourtant cru que vous saviez votre cours aujourd'hui. Votre carnet. Mais où est-ce que tu vas chercher des idées pareilles? J'avoue, c'est pas mal. Il fallait l'inventer, celle-là. Oh, c'est bon, hein. C'est pas facile de faire semblant d'être inculte. T'as raison. Pauvre petit intello contrarié. Mais vous l'avez trouvée, alors? Je crois que c'est elle, mais je suis pas sûre. Ah, ouais.
Je m'y connais en jolie nana et celle-là, elle est vraiment canon. Je voudrais pas mettre en doute tes instincts, mais on va vérifier si tu veux bien. J'aurais pu m'en passer plus longtemps, mais j'ai un message du grand chef. Mais il aurait pu appeler. Il dit qu'il y a du mouvement du côté adverse, si vous voyez ce que je veux dire. Alors dépêchez-vous d'aborder la fille avant que les autres le passent. Sur ce, je me casse. J'y vais aussi, on se voit tout à l'heure. Pas de doute, c'est bien elle. Je vous l'avais dit. On attend quoi pour aller lui parler? Bah, faut d'abord qu'on réfléchisse à ce qu'on va lui dire. C'est pas facile à encaisser ce genre d'annonce, si vous vous rappelez bien. C'est clair que je vous avais proposé 5 ce jour-là. Allô? Quoi? Je sais pas, ils arrivent. Où ça? Comment ça, où est la fille? Mais elle est juste là. Oh non. Quoi? On s'est trompé de fille. Exactement qui tu es. Je sais qu'il t'arrive des choses étranges en ce moment, mais nous sommes comme toi. Viens, je vais te montrer. Ne la touche pas. On est arrivé avant vous. C'est jeu. Ça n'a rien d'un jeu, Zara. Et si nous réglions ça avec un regard? Ferme les yeux. Attention! Vous allez reculer maintenant. Pas tout de suite, désolé. Ça, je te le conseille pas. Bah vas-y, tire-moi dessus quand on rigole. Qu'est-ce que vous attendez? Jack! Mais vous êtes qui, vous tous, à la fin? Retiens juste que c'est nous, les gentils. Les gentils? Vous êtes malade? Elle a voulu me tuer? J'aurais peut-être dû le faire, en fin de compte, puisque t'es même pas capable de te rendre compte qu'on vient de te sauver la peau. Mais me sauver de quoi? Les autres aussi, ils disaient qu'ils voulaient m'aider, mais je sais même pas pourquoi. Je vais t'expliquer. Suis-moi. Vous avez fait du bon travail. Reposez-vous maintenant. Ça peut pas être elle. Pourquoi? Elle est moche. Assieds-toi. Avant de te révéler ce que je fais, je voudrais que tu me dises qui tu es. Je suis Clara Dane et je vois pas du tout ce que je fais ici. Tu es sûre? C'est rien passé d'étrange dans ta vie ces derniers temps, disons depuis un mois? Peut-être, mais j'ai l'impression que vous le savez déjà. Dis toujours. Hein. Ok. Eh bien, un jour, je me suis réveillée avec l'impression d'être différente. Donc déjà, je n'avais plus un lunette, ça là, ce n'est fausse. Et quand je demandais des choses aux gens, ils les faisaient. Et le pire, c'est ça. J'en ai parlé à personne. C'est quand ça paraît comme ça et j'ai l'impression de devenir dingue. On a tous eu cette impression au moment ou un autre. Ah, vous aussi, vous avez une couronne dans le dos? Pas tout à fait, non. Chacun d'entre nous a reçu un don qui le dépasse.
En quelque sorte, nous sommes la réincarnation des dieux de la mythologie grecque. Grâce à ça, et les points qui s'allument ici, je peux localiser tous les dieux sur Terre à n'importe quel moment. Et il y a quelques mois, toi, tu es devenu l'un d'eux. On aurait dû se battre. On a cédé beaucoup trop facilement. Mais Hadès a dit de ne pas prendre de risques. C'est n'importe quoi, elle n'aurait jamais tiré sur la fille. Tu la connais mal. Parce que toi, tu la connais mieux peut-être. Il a raison. Ils auraient tout fait pour pas nous la laisser. Mais ne vous en faites pas, elle viendra bien d'elle-même. Comment pouvez-vous en être sûr? C'est comme ça que les choses doivent être. Bonjour mon enfant. Je veux une glace. Sacrée gourmande, tu en as déjà une il y a une heure. Mais je te dis que je veux une glace. Ok, très bien, bon Max, va y chercher une glace. Elle est notre admirée à tous, ne l'oublions pas. Des dieux? C'est une blague? Pas du tout, je suis très sérieux. J'ai un peu simplifié, mais c'est très proche de la vérité. Ok, bon, je commençais pas à ce que vous faire confiance. Attends, écoute-moi jusqu'au bout. Après, tu pourras partir. En attendant, tant que tu ne sais pas tout, tu es en danger. Ok. Bon, je vous écoute. Il y a 30 ans, nous avons organisé une expédition archéologique et on a découvert une grotte inconnue. C'est moi qui dirigeais cette expédition. On a découvert une jarre dans une grotte. Quand on s'est approché, une lumière intense en a jailli et on a tous perdu connaissance. Dans les jours qui ont suivi, on a commencé à manifester d'étranges symptômes. Moi, j'ai développé cette foudre que tu as vue. Notre linguiste s'est mise à posséder une connaissance digne d'une encyclopédie. Un archéologue transformait tout ce qu'il touchait. Et la liste est longue. Il nous a fallu 5 ans pour comprendre, après avoir traduit les inscriptions gravées sur les murs. Pour te résumer, à l'époque de la Grèce antique, des hommes et des femmes furent dotés de pouvoirs étonnants. Ils passèrent évidemment pour des dieux et ils aidaient de leur mieux la population. Les récits de cette période sont ceux de la mythologie. Ça s'est arrêté lorsque la religion chrétienne est arrivée. À cette époque, les magiciens se sont donc réunis dans la crypte pour extraire l'essence de leur pouvoir et les mettre dans la jarre. Quand on l'a trouvé, on les a libérés. À présent, ils cherchent un corps humain capable de porter la responsabilité de ses pouvoirs. Mon équipe et moi sommes la première génération, et chaque fois que l'un d'entre nous meurt, ses pouvoirs cherchent un nouveau. Et c'est ainsi que tu es Aphrodite, déesse de l'amour, capable de séduction et d'hypnose. Aphrodite, vous m'avez bien regardé ? Tu sais, l'essence des dieux ne se fie pas aux apparences. En faisant comme si je vous croyais, ce qui est loin d'être le cas, vous seriez qui ? Zeus ? T'as deviné. Et les autres ? Bah écoute, le mieux peut-être, c'est que je te les présente. Ça y est, j'ai noté. Et où tu étais situé exactement ? À peu près là. À peu près ou c'est sûr ? Mais on s'en fout de toute façon, à quoi ça va servir? Je te l'explique à chaque fois. On doit noter tout ce qui arrive pour que ça serve aux autres générations. Voici Claire, notre nouvelle Aphrodite. Claire, je te présente Claudia, déesse de la sagesse. Pose-lui n'importe quelle question, elle te répondra. Salut. Axel, déesse de la guérison. Bienvenue parmi nous. Je te présente Jack, alias Hermès, dieu des voyageurs. Je crois que tu connais déjà sa spécialité. Et puis Apollon, dieu des arts, il transforme la matière à volonté. Enfin, je te présente mes enfants, Morgane, alias Artemis, déesse de la chasse, et Théo, qui est... un être humain tout à fait ordinaire. Ah, je te présente aussi Madison, alias Morphée, déesse du sommeil. Alors, si je comprends bien, vous êtes tous des dieux, c'est ça? Oui, c'est ça, mais je sais pas, si tu nous as bien regardés, on est tous comme toi. Non, mais je vous ai bien vu tout à l'heure. Vous avez tous l'air de connaître votre truc, de savoir ce que vous faites. C'est pas du tout mon cas. Tu nous vois après plusieurs années de travail. La première fois qu'on est venu ici, on a tous fait la même tête que toi en ce moment. On s'y fait, tu verras. Et les autres, c'était qui?
les sbires d'Hadès, dieu des enfers. C'est contre lui qu'on lutte. Victor était un ami très proche, mais ses pouvoirs lui sont montés à la tête. Il voudrait recréer l'Olympe. Et c'est mal? Pour Victor, ça consiste à être vénéré par les hommes, quitte à les réduire en esclavage. Tiens, voici un panel de ceux qu'on n'a pas pu empêcher de rejoindre Hadès. Tu vois ici Héraclès, mieux connu sous le nom d'Hercule. Celui qui rit quand on... Méduse, au regard pétrifiant. Et Hébé, déesse de la jeunesse. Elle maintient Hadès dans une sorte de jeunesse éternelle. Il devrait avoir l'âge de mon père, mais tu lui en donneras que 30. Mais si vous n'essayez pas, vous tous, pourquoi vous ne les tuez pas? Premièrement, Hadès est immortel et doué d'invisibilité. Et deuxièmement, chacun des deux clans sait que les forces sont équilibrées. C'est une guerre sans issue. Pour l'instant, il y a déjà eu trop de pertes des deux côtés. En gros, on attend d'être assez nombreux pour le vaincre. Mais toi, t'as pas vraiment l'air motivé. Alors, tu peux partir si tu veux. Morgane! Mais c'est vrai, il y en a plein d'autres qui ont fait ce choix avant toi. Tu es en réunion de temps en temps et tu continues ta petite vie tranquille comme si de rien n'était. Oui, je pense que c'est ce que je vais faire. Je peux y aller maintenant? Bien sûr, on ne te retient pas. Prends ce que tu veux et donne-nous de tes nouvelles. Je vais t'accompagner. Ah, tu peux être fière de toi, Morgane. On n'a pas besoin d'elle de toute façon. Là, je suis bien d'accord. Ça va? Pas trop secoué? Ça fait beaucoup encaisser en une journée. Ouais, je sais. Ça m'a fait pareil quand je suis arrivée. Toi, ton pouvoir, c'est de guérir, c'est ça? C'est pratique, mais ça ne marche pas à tous les coups. Et t'as jamais hésité avant de te mêler à cette histoire? Pas longtemps, non. En même temps, j'avais 10 ans, donc je me suis laissée facilement convaincre. Ouais. Et puis, c'est important ce qu'on fait. Ils ont besoin de le pouvoir. Oui, j'en doute pas, mais enfin, ça fait beaucoup encaisser comme ça. Et je me vois mal comment me justifier auprès de mes parents. Comment tu fais, toi? Ça se passe pas trop mal. Moi, j'ai perdu mes parents quand j'étais toute petite. Je vis avec ma tante. Je l'ai guérie d'une grave maladie. Donc, du coup, elle est au courant. Ouais. On a trouvé Claudia dans un squat en Russie. Ses parents bossent énormément et se sont jamais occupés d'elle. Quant à Sven, il a toujours été un dieu pour sa famille. Donc, pour lui, ça a rien changé. Ouais. Moi, je vis là-bas avec mon père et ma belle-mère. Enfin, ma mère, elle est morte quand j'étais petite. Tu verras. Les passés douloureux, c'est pas ce qui manque chez nous. La petite Madison que t'as vue tout à l'heure, c'est la sœur de Jack, celui qui se téléporte. Ils sont irlandais. Quand ils étaient petits, Maddy s'est mise à chanter dans la voiture. Ses parents se sont endormis au volant. Jack a eu juste le temps de se téléporter avec sa sœur avant l'accident. Depuis, on est leur seule famille. C'est horrible. Bonjour Claire. Bonjour mademoiselle. Salut papa, j'arrive tout de suite. Prends ton temps. J'ai pressé quelques oranges, tu veux pas dire à ta copine d'entrer quelques minutes? Ah non, tu sais, je crois pas que... Ce sera avec plaisir, monsieur Alden. C'est délicieux. Eh bien, régale-toi. C'est pas si souvent que j'ai la chance de rencontrer les amis de Claire. Elle est si discrète. Papa! Bah quoi, c'est vrai? T'as toujours le nez plongé dans tes bouquins. Vous êtes dans la même classe? Non, mais dans le même lycée. On s'est rencontrés à la bibliothèque. Ça m'étonne pas de ma fille. Je l'ai traînée au Centre Olympe aujourd'hui. Vous connaissez? Oui, de nom. Ils font des recherches archéologiques, hein, c'est ça? C'est ça. Et ils ont des stages pour les étudiants. C'est passionnant. Ça, j'en doute pas. Moi, j'ai pas la fibre scientifique, mais c'est bien de vous investir dans des activités. Y'a plus de cookies, ça me saoule. J'ai trop faim en plus. Jess, tu pourrais dire bonjour quand même. Bonjour. Ils sont où les cookies? On a fini ce chocolat, mais il reste encore sur les noisettes. Mais je les aime pas ceux-là, t'aurais pu me laisser les autres. Bien, famille, on va chez toi. Y'a plus de choses à goûter. Je dois y aller. Ma tante va s'inquiéter. Au revoir, monsieur Alden. Au revoir, Axel. Salut, Claire. Salut. Tu n'oublies pas le prochain stage, le 6 juin. Ok. Elle est vraiment sympa, hein, ta nouvelle amie. Mmh.
Je veux un tatouage. Quoi ? Un tatouage ? Mais où as-tu été chercher une idée pareille ? C'est hors de question. Et pourquoi qu'elle en a un, elle ? C'est vrai ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça m'a pris sur un coup de tête. Eh bien, vas-y, montre-le. Il est assez joli. Papa ? Bah quoi ? C'est dégueulasse ! Elle, tu l'engueules jamais et moi j'ai le droit de rien faire ! Vous n'êtes pas fâchée ? Écoute Claire, ce tatouage, c'est le seul acte de rébellion que t'as manifesté depuis ta naissance. Alors, ça me rassure un peu de savoir que t'es une adolescente comme les autres. Par contre, j'en connais une qui va nous poser un très gros problème. Je vais essayer de la calmer. En tous les cas, ça te va très bien, Claire. Quelle heure il est ? Je cherche pas à vendre un pain. On a dû le faire flipper un max, ça n'a pas l'air du genre de fille qui arrive à s'adapter facilement. Moi, je suis sûre qu'elle veut venir. T'en penses quoi, Claudia ? Bah, en probabilité, si on fait une conjoncture de sa réaction primaire et qu'on l'extrapole à l'avenir, avec toutes les incertitudes que ça comporte. Bon, bref, je te laisse 50-50. On parie ? Ok, je parie 20 euros, dis bien pas. Suivi, Axel. Vous êtes trop débile.